D'habitude, Mazara Majout, il y a la logistique. On va inviter Mazara déjà en place. Maître Joseph Kajungul, Mbote. Mbote Jean-Méda, Mbote Penaralani Bansoya, c'est ce qui vit. Mbote Tango Iso, Babing Sakabiso, tout ça, la Kamanso, Poti Toyala, tout son abat congolais, pour Nabola Mbokanabiso. Veste Kitoko, cravate Kitoko. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est les sociales du peuple congolais. Merci beaucoup. Deuxième invité, il y a conseil juridique pour construire une structure à l'IDPS. Nous avons des co-rabisso Louis-France Kouzikessa, l'initiateur et école des communicateurs. Louis-France Mbote. Mbote, ne faut jamais dire Louis-Osso. Mbote, une invitation. Mbote, une Mazara Mazout. Chargé à logistique. Oui, oui. Nicolas Bélé, vous comprenez. Azapena, vous avez passé un moment et Bélé ensemble. Il faut que je ne me parle pas. C'est ma seule rédaction. Place suis un salaire journaliste dans CCTV. Et puis, seule rédaction, on a dit qu'elle a changé. Donc, je suis un consoeur, un confrère, je suis un bazali mbote. Nous avons un bazali mbote pour tout le monde. Sincèrement, Congo. Merci beaucoup. Troisième invité pour la région de l'Ebisso, Maître Fabrice Pelline, je crois, Aza, quelque part, à la région de l'Ebisso, Kalate. Alors, micro-éthique, les parrains de l'Ufance. Comme tradition, émission, hein, rendez-vous des auditeurs. Deux minutes pour un sujet moi comme il parlait particulier au global social ou question que vous intéressez. Oui, d'abord, Nazan a regret. Y a voyez ça peuple congolais que peuple où Nazan a maturité. Y a voyez bah ça la différence entre Bolam Namabe, Azali en plein déclin. Nazan a voulu moi. Et là on a aussi un bah congolais si quoi Azali que bisotu Azali bah na bah Bola. Toyebi passe, toyebi ba difficulté, toyebi ba souffrance, mais maturité ça la na congolais. Congolais a la capacité ya koboya makambo ezama b, andi ma o ezali malamu. C'est-à-dire que le autre toujours ba soutenir na mboka na biso, nani aza nani. C'est-à-dire mutunyo sa bola mboka boye, surtout les jeunes, esprit ya flatterie. Esprit y a saliné derrière ma néo-moubouddhiste, kabiliste, patenté, qui hier avait chanté Tomela Mbondo Kololopo n'a cessé. Après le départ de cessé, se sont transformés en muséistes, après josephistes, kabilistes, aujourd'hui tshisekédistes de dernière heure. Il faut que l'on a tout mettre fin en haut. Voilà pourquoi l'école de communicateurs aux Ali Lissanga et à Ba Congolais, conscient révolutionnaire, n'a pas si ba membre de l'école de communicateurs Mbote. Bazana a enseigné. Le peuple congolais auto bengi révolution, auto bengi maturité, auto bengi patriotisme. Voilà pourquoi dans l'ensemble, totia maboko pour mboka na biso etonga, maboko etonga makabo etende ko jamais d'ar. Lelo oyo congolais ko ki ko comparer à tana habitant ya pays mususu te. Ko ki ko comparer parce que babenga on a droit international le concert des nations. C'est-à-dire que na kati ya concert des nations, il y a d'abord une exigence au droit international public, l'égalité juridique des États. C'est-à-dire que l'égalité juridique des États, après avoir doté une reconnaissance juridique internationale à un État, l'État est reconnu au même titre que les autres États. Sur le plan du droit, nous sommes aujourd'hui à 193 pays au monde. Mais regardez ça, la constat que, sur le plan du droit international public, nous avons la même compréhension des États-Unis. Bison États-Unis, nous avons moko. Bisona Allemagne, tozan denge moko. Bisona France, tozan denge moko. Nous sommes des États. Parce qu'un État, une voix. On est à chaque Nations Unies, le Bielokwana. Dans son préambule, un État, une voix. Mais ceux qui ont tourné le loyo, comparaison de quoi il y a Congo, dans le pays Moussousou. Dans le pays, il y a comparé en haut. Dans le monde entier, dans le pays, il y a comparé en haut. Mais c'était pour la nuit. Parce que l'immaturité, c'est investir. Dans le cannabis, tribalisme, c'est investir. La légèreté, c'est investir. Babi et s'investir, mais finalement c'est une grande problématique, hein? C'est une grande problématique. Donc on veut exister comme État, tout ça le faut parce que si on a tous allés ni nation, ni État, ni République, ni pays. C'est-à-dire tous allés la fiction juridique. Il faut tous allés voir Bisso à jeune, tout le monde l'enquête. Ça c'est ça ma affirmation grave. Tous allés un État, tous allés une République. Mais c'est pas un État. Parfois, il faut qu'on s'engage, mais un État. Non, mais la définition rapide. Non, définition rapide à un État. C'est pas un État. Vous avez un arrêté de jamais d'arrêter. Pardon. Vous avez deux minutes, pardon. Ok, il n'y a pas de problème. Déco Joseph Kavigou. Maintenant, récupérez à moi. Déco Joseph Kavigou, très rapidement. Oui, merci Jean-Médard. Deux minutes, il y a un dossier, mais rapidement.
Je voudrais dire à Louis France tout de suite, nous sommes un État. Allons, le roi le bois, c'est. Tous à la ca, mon côté soit État, et pour Kabila, là, l'âme de la nation congolaise était totalement détruite. Maintenant, avec l'avènement de l'Union sacrée, on est en train de se construire cet âme-là. Pour tous en État, bah il est maillé mis ça toi Koloba ou ya constitution ya État. Et bah ni na batouban so batanga ba kouré à Miki na science politique na droit bayébi. Les territoires, la population et la puissance publique, c'est connu. Alors, dossier à Mbiboso dans Zolobela, ministre sortant des transports. Ministre sortant des transports, M. Mazenga, à Kouta, le régulateur et contrôleur esprit de vie, na 18 mois, il y a arriéré. Na Kobundarabatouana, il y a Futami, 4 mois. 14 mois, et Tikali. Mbongo et Kotaki, na février 2020. Pour foutre à Bangoli sous 4 mois. Mais ce qui est grave, je n'affirme pas que à détourner, mais Outamouane Kota na février 2020, destiné pour la foutre à arriérer à régulateur et contrôleur, il y a un programme dit gouvernemental, esprit de vie. Mouane Zana suite. Ce n'est pas Mieyewa Nazo Kende. Et en tout cas, tout de suite, il faut féliciter déjà la décision à la présence de la République. Basta les sous-mouvements, c'est parce qu'il y a encore 210 nouveaux bis. Oh yes, kapoba kabole la batu. Tu as dit que par bis va copesse $1,800 destiné pour na empirer barrière à bar régulateur. Lui a fait avec le babis soit distribué en février 2020 suite aux alités. Yango tolobi na ye akuta ki sur na banque de données na biso. Plus de 45 régulateurs recrutés par Matata Mponyo depuis 2014 et Justin Kalumba Mwanangongo qui était au ministère des Transports. Tango y aye, aye na ba militant palou, plus de 50 à côté de Bango na Moussala. Yango toko se un nouveau gouvernement avec le nouveau ministre Kozala na transport, dossier esprit de vie et un premier dossier Sengeli à traiter pour qu'elle remettre Ndekwana na droit na Bango. Merci. Et puis Moutoua Kokamba, coordination Angolelo, monsieur Mabunda Bessana, Fabien, je l'ai toujours dit, cet monsieur est mieux formé à la ANR. Anna ma coquille a pour ça la projet oui parce que il s'est n'est pas trouvé bête esprit de vie ba créer qui ango pour que tout le monde descend et cette la circulation to bandaka izaki 250 bis le lot c'est au-delà de 600 bis mais ces messieurs tellement kan azalaka formé que ya ngomo ni programme ali ko kakema na influence ya ancien conseil routier ou a directeur de cabinet ya plus mobile le lot. Deuxième dossier ya liba na mwenedi tu ba kombela mai mabe. Nous insistons toujours que la démarche de la structure étatique est avancée. Mais les banques sont maillées à cause de la forage d'eau, pour aménager 25 sites, et que c'est juste $180,000. Merci. Merci beaucoup, Ndeko Joseph Kachungulu. J'espère que la fondation Mama Denise Yankiru et Yoka Gambela, voilà, va faire quelque chose pour la Mounedit, c'est très important. Non, on doit saisir Bango, je crois que Mama Denise a posé la question pour la Bango. Oui, Mama. Alors, on doit mettre Fabrice Mbote. Mbote, on doit jamais d'art. Mbote, on doit mettre Fabrice Mbote. Vraiment, il y a un mot pour partager le rendez-vous des auditeurs. Je ne sais pas si j'ai parlé. Très rapidement, une minute. Oui. Puisque d'abord, on a eu le retard, mes excuses encore. Nganazo kama mingi ndeko jamais dans ma kambozo le ka na ville ya Kinshasa. Ils ont un phénomène moko depuis un certain temps, on constate que bato basala bazana service ya assainissement ya ville ya Kinshasa na lingina yeba. Vraiment je me pose beaucoup de questions et ça dérange. Comment tout le monde rabato na baye ba bimisi biloko na ba egu ba déplacer ba dalle ba zui ba salité ba tie libanda et puis ba ke na ba. Et puis je vais savoir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que Moussa Lona il fait ça la mabongo? Ce qui m'a le béti au mona biloko wana zongi na onakati. Je me dis, est-ce que humainement parlant, bato bazo ko organiser service wana, ils comprennent ce qu'il faut ou pas? Puisque il faut pas perception d'explication. Ce qu'on quitte tout au long, il y a un transfert, il y a un bateau, il y a un roman, il y a un longo, il y a un dal, il y a un jubilo. Mais si on a un boule et les revers, et ça qui est zongi zongi na mou. Je me pose la question, comment est organisé ces services-là? Je pense que c'est très important. Non seulement cela m'a boutou, mais au commun n'a même pas bah dégâts ou bah toi c'est n'est pas bah tout ça là. Puisque au lieu bah mais ma propriété, bah zo mais ma d'abord salité
solo na ville. Et puis une fois on a posé question à Mutumbo, mais comment se fait-il bino boyaka bolongoli badal bozu bilo bo bimisi libanda bokeyi pourquoi bokenaka arrive sangano et dans le service mususu yaka kolongola mais service wana et dans la banjete. Je me pose la question, Mutu a la tête ya ya structure wana. Du moment où il y a des services, on est dans la bangère, on est dans la thé. Mais pourquoi ajouter la saleté dans la ville où ils en ont une situation précaire? Puisque la ville à Kinshasa, en principe, n'a été dans le patrimoine. Tout le monde a les boulotés, tout le monde a la saleté. Il faut dans la place où il faut refléter le miroir national. C'est quand même un endroit où, on est quand même dans Kinshasa, on se dit voilà, je suis dans une certaine modernité. Mais c'est un constat malheureux. Merci. Mais il y a quand même na non, c'est très important, c'est partout. Mais ça dérange déjà, mesdames. Et va dire au moment là. Ils ont quand même là. Ils ont quand même là, ils ont parking. Et puis ils ont tiens solo, ce qui est grave. Et puis en plus, mais juste, et puis en plein centre-ville. Ce qu'on est là, on a la tronçon, on a Botou, on a même ligne. Tu vas voir ça. C'est quand même grave. C'est quand même grave. Hein, je ne sais pas pourquoi, même si on va dire ta OVD. Pour que tu puisses lancer un colibé trop en Argentine. Mais OVD est dans la compétence nationale. Mais bah, il va pour organiser le secteur. Voilà. Bah, ça va, ça va, ça va bien. Merci. Je pense que c'est ça. Maître la profiter. Mais na pas sa beauté. Ba auditeur na biso na bana de bonhomme ma tété na bana limité salon ondanu na ebi ke balandaka yo trop jamais da. Je pense que ça serait une bonne chose ba yo kapé qu'on pense à eux na matina lelo. Merci beaucoup maître Fabrice Pelinde Bazay Belé hein, na Brazzaville na Canada na États-Unis France Belgique partout bazolanda biso na page na biso CCTV Rally qui officiel bo s'abonner massivement ba page na biso wana pour bon dans ba programme na biso ya Tongo na nzela ya Radio Liberté Kinshasa PCCTV. Alors micro tika na panayo très rapidement tout un dossier principal na biso Assemblée Sénat. Lilo, bah, sénateur, bah, Koutana, pour nous examiner pétition, ils allaient initier contre les membres du bureau, il y a Tambo Mwamba, deux pétitions, moi qui est allé viser six sénateurs, et six membres du bureau, monsieur se visait premier vice-président, nous allons examiner bureau d'âge, ils allaient déjà installer lobby. Tout à fait. Dénonciation, il y a bureau. Tout le monde est en bureau sortant, sur qui bureau bon. Tout le monde est en bureau sortant parce que bureau d'âge c'est côté. Bah lobby, bah je reconnais tes blocs voilà, bah formule qui c'est si extraordinaire pour une matière précise comme mi-bureau lobby, bah clôturé en haut à l'épuisement et à l'ordre du jour ils allaient qui annoncer, mais ils sont surpris apparemment de constater que plénière monsieur vous allez convoquer par bateau, bah dans la qualité de secrétaire général il y a Sénat à convoquer plénière à installer bureau d'âge les lobes dans Moussala. En tout cas jamais. En tout cas jamais d'art. Et cela qui inévitable et c'était prévisible. C'est-à-dire c'est une continuité, il y a démantèlement du système Kabila au détourner ou utiliser mon dernier maillon pour baigner Tambwe Mwamba. J'espère que Nathan Abba juriste Awa, au-delà du droit il y a la politique. Au moins une phase au sort de l'obito bête à en termes de droit, on sera dans des confusions. Et au regard il y a pas principe, il y a pas valeur fondamentale à droit. On ne sera pas à l'aise à défendre tout cela. Mais politiquement, nous avons les arguments. Jamais d'art. Je pense que, au Etigali, ils ont une carte à souka au Kabila Tikaka. L'objectif ici, c'est évacuer le système Kabila. Puisque, avec tout ce qu'ils ont eu à démontrer, nous n'avons pas mérité un monsieur comme Tambwe Mwamba. Le peuple congolais ne peut pas mériter un monsieur comme ça à la tête du Sénat. Déjà, politiquement parlant, ce sont des personnes qui ne pouvaient jamais représenter la population. Je pense que c'est une suite moro logique, puisque le Parlement, le Sénat, jouera le même rôle pratiquement dans l'Assemblée nationale, sauf qu'il y a un deuxième examen. Et je pense qu'il faut battre bureau Oyo et vous allez d'abord en obédience à chef de l'État. Dans le sens, c'était pour résoudre le problème à chef de l'État, mais et concourir à l'idée Oyo Félix Azolinga Amema. Puisque nous avons lobby et sa suite logique, donc c'était inévitable. Et puis, au regard, il y a Maramounio Sonet Ozomona. Je pense que le Sénat, et sa institution, jamais ne pourra appartenir. Na kam autre que Oyo ezo concourir na vision à chef de l'État tozobenga union sacrée et
ceux qui vont installer Biro Sika. Surtout jamais, parce que tout le monde a été calaté. Sénat, il y a la première législature, il y a un peu de l'Assemblée nationale, il y a une majorité. Sénat, il y a un vieux Kengo, c'était l'opposition, a dirigé le Sénat pendant au moins 12 ans. Okay. Donc ça ne peut pas empêcher les lots qui même Félix a eu majorité dans la nouvelle Assemblée nationale, majorité où ils ont créé à pleine législature, obtenu à pleine législature, opposition à diriger Sénat, les Fabrice Pérez. Jamais là, au moins l'objectif dans tout ce qui se fait maintenant dans l'institution d'Abisso, c'est aller vers ce que le peuple attend. Qu'est-ce que le peuple attend des réformes? Qu'est-ce que le peuple attend le programme de développement? Qu'est-ce que le peuple attend voir le pays avancer? Alors, l'institution est le Sénat ou le Parlement. Il faut répondre à la lobby et concourir à la vision où ils ont caractérisé l'objectif de la Mboka. Puisque si on voyait Félix échouer, on avait peut-être gagné dans le peuple n'a pas souffrir. Je pense que c'est parti du peuple, donc on exclut les choses. Il faut tout se pencher. Pour beaucoup résumer, ça veut dire que politiquement c'est justifiable la démarche. Juridiquement, dans une espèce, juridiquement, voilà. Juridiquement, ce moment alors, donc tout le juriste, même tout ça, juridiquement, à vous tatabalander balou. Mais l'autre, quand la mission, nous sommes dans une révolution institutionnelle, c'est trop bien dans mon bon. C'est la relation. Donc, l'autre, quand la mission, on a établi la violation, il y a la constitution, il y a la loi, il y a le règlement intérieur, parce que l'objectif est d'aller que. Système union sur d'ailleurs Kabila et Longwa. Jamais là, au moins une prise en otage au Kabila Tchaka, à Tchaka on a une institution. À Tchaka on a une Wenzete, à Tchaka on a une institution. Alors il faut que démanteler mon gars, on a une institution. On a dit sur le plan du droit, je ne serai pas à l'aise, mais politiquement, on sait les justifier. On a dit, il s'agit d'une révolution institutionnelle. Révolution institutionnelle, on mais ce ça. Qui se passe au Sénat, c'est ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Donc je pense que Bissot a besoin de résultats au moment que l'ancien système Kabila qui caractérisait la prédation est totalement évacué. Au origine, nous avons Afdel, Thierry, au Koumane, Bamito. Tout le monde a un sou. N'écoute France, parce que dans ce là, parce que ça, c'est déjà plus. Natangi met lecture d'ailleurs de la France na wezo le kuna na Sénat d'abord l'Assemblée nationale bon toujours laisse moi comme l'Assemblée nationale mais le loi comme Sénat je crois peut-être 10 heures au plénière Zali donc aux observations quoi mettre Fabrice violation quoi la loi il y a droit tout quand moi miso mais politiquement c'est justifiable bien Natangi met trazan à 6e minute de longa na surveiller yo na Rolande là ou bien passer ngapena check corona na ngai. D'abord, ma parti politique, je salue les deux éminents intellectuels sur le plateau, Nazo reconnaître que Kreza Batomayele. Je les salue parce qu'ils ont une relation particulière, mais où ils ont engagé débat et porté atteinte à la relation de la privée. Au moins, ma parti politique est à la difficulté, et bien, c'est pour une fois, je vais mettre Fabrice dans une difficulté. Pour une fois. Pour une parce que position à MLC actuellement, Ezo pesa yendingi sate ya s'opposer directement na mabé parce que MLC est dans un système. Il faut que le bas complexité ne vient pas le MLC. Jamais d'art malème. Non, c'est une position. Mais avance la précision parce que est-ce que on va avoir observation ou pas mais peut na avancer parce que on va avancer avance la précision. On accompagner maître Fabrice. Té. Accompagner Benaï. Nazo accompagner on va la précision que il n'engage pas les MLC. Je compte sur votre c'est. Allez-y. C'est un cadre du MLC. Il ne peut pas déroger à la vision du MLC. Il y a fondamentaux, il y a MLC, il y a un texte, il y a un donc, le bâtiment a représenté MLC. Non, c'est incohérent. Mais dans la place, il y a un problème de droit, il faut une solution de droit. À un problème politique, il faut une solution de politique. Mais maître Fabrice a fait sa solution politique à un problème de droit. Est-ce que vous pensez que c'est un problème de droit ou c'est un problème politique? Mais c'est un problème procédural. Au tour, le baron a commis, il faut te violer la loi pour en avoir la politique. Moi, je suis de ceux qui disent que Batnet Batambo, Mouambana, Bakabila, Babate, il faut que l'on la bambe, il faut que l'on la bambe. Parce que soit tu as une installation à Batambo, Mouambaya, Banini, parce qu'à un certain moment, le président, c'est que tu as fait ça, il va m'en couloir. La raison est que je vais mettre Fabrice à l'Obaki. Mais si tu as un limbo, le loco, Moko, maître Kajungou à l'Obaki. Maître, il faut tous aller à la prudent. C'est vrai qu'on défend le pouvoir des habits, mais tout ça l'a pris parce que Bazo Landabiso y a sa personnalité. Le bébé, comme tout le monde, à propos de ce que tu as fait, nous voulons parler d'un État, le bébé, élément constitutif. Mais quelle est la superficie réelle de la RDC aujourd'hui? Comme il parle du sol,
Na lingi na yebisa ba kongole nyonso ba livre la géographie faut réviser, constitution faut réviser parce qu'actuellement toza sou na 2,345,000 km². Na est ba kata kata. Faut y aller le courage, je l'ai dit. Vous ne pouvez pas être un état avec une superficie douteuse. Aucun professeur d'université ne peut me dire aujourd'hui que exactement superficie RBC est aboyé, azate. Mais si persia américaine est banni, on est à premier élément. Deuxième élément, c'est quoi le gouvernement de la RDC aujourd'hui? Gouvernement Zani. Il faut tous à la gare scientifique. Totique à Babylon, à politicien. Moi, quand je fais des affirmations, c'est après les recherches. Je mets le gouvernement de superficie et banité. Alors, l'État est défini comme une nation indépendante, organisée souverainement et politiquement. C'est-à-dire que juridiquement et politiquement doté de mécanismes. Bon, et ça débat de fond, tu as besoin de la main Maître Fabrice, quand on pose la question, le droit et la qualité, ce qu'on appelle le principe de la compétence exclusive, le droit et la qualité qui donne mandat à quelqu'un de poser des actes, s'il est en défaut de qualité, c'est un problème politique ou c'est un problème juridique? Parce que vous avez usurpé, c'est ce qu'on appelle l'usurpation de pouvoir. Vous avez posé les actes n'ayant pas droit et qualité. C'est un problème de droit. Il faut opposer les textes. Ce n'est pas un problème politique. Et plus grave encore, la vie des institutions n'est pas soutenue par la politique. Lingala, monsieur Zara Lingala, découvre. Lui, France. Bah, institution, il y a encore à Moroté, ils ont fonctionnalité, ils ont reposé sur politique. Ils ont reposé sur droit. Sur mes becs. Bah, expédition, il y a affaire courante. Ça veut dire quoi? Parce que moi, je suis de ceux. Ceux qui n'ont pas sénateur de l'ONU, ils ont voté pour départ à Tambo Mamba. Ça, c'est connu. Mais tout ça, là, moi, avec les normes. Je ne voudrais pas que les gens fassent des choses parce qu'on ne veut pas tel. Parce qu'en tant que maître Fabrice à lobby, problème objectif, il y a le Mola, régime à Kabila. Donc, tu as violé la constitution parce qu'il faut tout le Mola Kabila. Non. Tout le Mola Kabila dans les normes. Parce que la crédibilité internationale de la RDC en dépend. Nous sommes cotés. Le loi par amener sur le salon à Congo, mais qu'il a libéré par mon avis sur le roi là-bas, n'amiqué. Nous avons reproché Nini la démarche. Et le roi du Bosso, expédition des affaires courantes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où on a la difficulté rationnelle de gestion, et que nous avons signé que nous avons su faire quota, il faut biman, il y a organisé processus, il y a installation. Il y a bureau d'âge parce que vous en avez expédié par affaire courante. Pour que vous avez succédé, c'est-à-dire que ça a été organisé par Kambou officiellement, Tambou Mwamba à Longwe, bureau d'âge et yé, bureau d'âge, ça a été installé. Bureau d'âge est installé, mais pas convoqué plénière. Alors, pour la précision. Non, je suis malin, mais je suis malin. Je suis malin. Tu as une minute. Tu as la chrono, tu as une minute. Ah, oui. Mais on a trois minutes, je sais. Non, non, non. Tu as l'objectif. Mais on a trois minutes. Tu as une chrono. Zéla, Zéla, Zéla. Na tu as une minute. Tu as trois minutes. Tu dois préciser les choses. Ok. Au lobby, ma cambitali, pour respecter la procédure. Ok. Na évite aussi au talis déjà règlement intérieur et à SEDA. Et lobby, ni pour ma cambitali, destitution, examen à pétition. Mais principe est aboué. Ce qui est membre du bureau, tout ce qui est au-delà de la violation de ce que vous avez appelé ça va principe, ce qui est membre du bureau, c'est basé visé par pétition. Ce qui est moins visé, ou si c'est visé, ou il va ticali, à couper la plénière pour examiner pétition dans les 48 heures. Ce qui est basé visé, donc basé les compétences, il y a ça. Le gouvernement dit qu'il faut retirer un bureau d'âge. Pas bureau d'âge, tiens, madame. C'est le secrétaire général de l'administration. Voilà. Pour les cas d'espèce, c'est le secrétaire général de convoquer. Non, écoute. On a dit que le président du bureau d'âge a posé un acte avant notre circulaire et à secrétaire général. Comment ça? Oui, mais bien sûr. Depuis quand? Je l'ai vu devant la presse. Avant de communiquer au secrétaire général à Yarosala, je l'ai vu devant les interviews. À moins que je m'abuse. Interview avec qui nous non, le Bosowana va présenter par moi, Babi, Bamonde, va s'identifier comme le président du bureau d'âge. Avant de communiquer, je l'ai communiqué avec Oya après. Non, là, je l'ai nommé. J'ai la responsabilité. Moi, j'ai couvert l'événement. Dans un reporter, on a parlé du peuple. Je suis l'accrédité à chaîne, on a parlé du peuple. J'ai suivi les débats. J'ai couvert, j'ai diffusé. Donc, la première des choses, quand la première plénière est la salle plénière, il y a un bout de bout. Il y a un bout de bout.
mais comme presse ça là qui accédé te ba bisaki batunyo so moyen ba image ya il momo na bomone ngote tango bimi libanda président sénat a sali interview Alexis Thambo Mamba pona kolba ke non d'habitude tout ça là sénat na biso calme mais les longs mois ni les alaki mais tout ça tu voter loi tête tu n'est président république ko promulguer yango ba sénateur ba bimi en colère ba bi non il a violé, il a répondu, donc il faut convoquer une session extraordinaire. Et il faut secrétaire général à la saisie pour convoquer une session, pour installer le bureau d'âge. Aussitôt le même soir, bah, diffuser un communiqué signé par le secrétaire général. Non, secrétaire général a réussi à communiquer après lobby, non? C'était hier. Mais là n'est pas le problème. Le deuxième problème, où est-ce réel? La motivation. Est-ce que dans l'intime conviction, d'abord, quel est le critère? C'était quoi le critère? Parce qu'avant de le bureau, il faut motiver la décision. Bon, le bureau est toujours là pour une incompétence. Dans l'entretemps, non, problème est ça. Quand tu as décision à Bango, Balobine de Kosami Badi Bangaza concerné, alors que faisant partie du bureau. Non, il est concerné parce qu'il y a des pétitions. Pourquoi j'ai rappelé? C'est là, moi j'ai la pétition, il y a Balongo lié. T'es Balongo lié, non, c'est là, non, il ne faut jamais dire. Balobine, vous voyez, regarde, j'ai suivi. Faites votre confiance, je vous dis ceci, écoutez, je lui fais écoutez, alors, le même jour, on va déposer une première pétition visant 6 membres, Samy Azaï concerné. Les sénateurs pro-FCC ont déposé une pétition contre le premier vice-président. Et donc, tous les 7 membres sont visés maintenant par deux pétitions. Raison pour laquelle. Raison pour laquelle lobby, au moment qui, Samy Azaï dans la salle, mais enfin, je termine. On passe la parole à. Non, on passe la parole. Mais je ne sais pas. Non, on va revenir vers vous. D'accord. Retourne la parole. Je vous ai arraché pour vous récadrer, mais vous l'ignatez. Mais c'est quoi le lobby que Samy Badi Bangazaï concerné la première pétition. Tu sais le Bélanine. Et lui France. Mais non, c'est pas un débat. Écoutez, pardon. Vous pouvez vous faire émission, c'est pas bien. Il y a quand même émission. Bon, ça mettre Kajou. J'ai la pièce avec les mains. Tu peux ça y aller. Mettre Kajou le jour maloba. J'ai fait ça pour votre zone d'abisso. Tu peux ça y aller. Écoutez d'abord. Lui France, la première émission. Yo mon repère. Je te laisse présenter l'émission. Non, mais moi je regrette. Alors tu es censé écouter mon directeur d'émission. Correct. Écoutez, les deux pétitions ont été déposées le même jour. Je te dis que je suis reporter à parler du peuple. Ok, les deux pétitions visant les 6 membres, y compris le président bureau, et celles visant les premiers vice, ont été déposées les mêmes jours. Et donc tous les 7 membres sont engagés sous sénateur dans les 48 heures. Voilà pourquoi le secrétaire général a saisi pour convoquer, comme un règlement intérieur lobby, a convoqué plénière dans l'obligation d'installer bureau d'âge. Bureau d'âge a été installé hier, un jour après la convocation à plénière par le secrétaire général. C'est aujourd'hui, vendredi, que va examiner pétition. Est-ce que Salim Beba tout va faire mieux battre. Est-ce que vous allez voter? Vous allez voter pétition. Sauf que vous voter en faveur, il y a destitution, il y a bureau, tous les 6 membres, vous allez accueillir. À ce moment-là, vous allez l'élection pour la bureau de chasse. C'est ça la procédure, mon frère. Hein? Ndeko Joseph Kajougoun. Bon, merci. Jean-Médard, à Ebike de Konanga, Louis France, mon ami et frère, dans le Baganabino, tango isso que mon frère est bon pour les cours du civisme. Au niveau de l'humanité, pour Sungabana Nabisopo, Azalina moi, ma question n'a pas théorie. Mais Maître Pelende est là, il sait que toutes les théories que nous avions apprises à l'université, na pratique, tout au monde a que différence, c'est ça, Emil. Alors il faut comprendre que Louis France est un théoricien, un praticien. Moi, avant la bête, mon point de vue, sur ce qui se passe au Sénat, et ma pensée sur les sénats, je le dévore patriotique. Il y a qu'à féliciter les honorables députés pour avoir installé le bureau définitif, en plaçant à la tête de ces bureaux un monsieur imbu d'une bonne moralité et d'expérience. C'est le même qui avait dirigé le discours. Naé. Yemo quoi reconnaître que. Salimou Salana Bango, Oyo, mission traditionnelle et Assemblée nationale.
Parce que la première mission, c'est voter les lois pour l'Assemblée nationale. La deuxième, c'est les contrôles parlementaires. Na niveau ya contrôle, messieurs, l'honorable président Mbonso, veuillez nous aider parce que les lois boutiques, l'IGF, Moussala Mounene, et à l'Union Assemblée nationale, na justice, Bossala Bamisala Oyo, Mbokana Mibeko, qu'on reconnaître Bino. Contrôler les mandataires, contrôler les ministres, bosser la contrôle parlementaire pour que la population puisse se retrouver. Je viens au Sénat. Je crois que au salut la théorie est belée dans Louis France, mais na koti na naza na tant qu'on ne connaît parce que moi j'ai mon point de vue sur le Sénat que je vais donner. Na koti de Louis France attend l'article 28, il y a règlement intérieur et un Sénat. Ça va mettre fin à tous ces débats. Tango l'Inde, déjà. Ce qui moko na bango a ali mise en cause de à quoi présider Macam. Mais ce qui bango banse baza mise en cause, ma solue ko bendama. Parce que là, il faut faire aussi la différence entre la politique et l'administration. Au sein du Sénat, nous avons, je peux dire, l'administration parallèle. Vous avez l'administration politique pilotée par les bureaux du Sénat. Vous avez l'administration purement traditionnelle, pilotée par les secrétaires généraux. Et puis, tant que même au début, l'article 14, c'est la constitution Colombani. Au début, Yali Moutouana a convoqué session 15 jours après proclamation à résultat par la CENI. A convoqué bah, tout en installant les bureaux d'âge. C'est ce qui s'est fait aujourd'hui. Vous avez dit que Batia a identifié la majorité même au sein du Sénat. Il y a 73 sénateurs qui se sont prononcés en faveur de l'Union. 78 plutôt. Maître Pélène vient de compléter. 78. Et c'est pour dire que nous sommes en train de nous inscrire dans Moussala, les formateurs à Outikosala. Mais étant donné qu'on a identifié la majorité dans la chambre basse et dans la chambre haute, qu'est-ce faire? Il faut procéder à cette procédure. Voilà maintenant mon point de vue. Donc, ça, c'est la procédure politique, autrement politique. Non, mais on vous a répondu ici. Tellement juridique, c'est parce que je suis un praticien, je ne voudrais pas aller verser dans l'immoralité. Tout ce qui se passe au jour d'aujourd'hui. J'étais toujours dit, si Jean-Médard, Bassala Kabakambo, Sikana Batoa Kalate. Vous comprenez? Mais est-ce que pour la image, il y a beaucoup de choses? Non, image, il y a beaucoup de choses. Vous ne voyez pas que c'est. Mais Jean-Médard, ni la Constitution, ni le règlement intérieur, il y a une institution et il y a violette. C'est quoi l'image de la mort de Bébé Nani? Parce que vous avez la Constitution, lisez l'article 14, 114 plutôt, il y a Constitution. Dans l'article 28, si Makambo Mansoué Kosale Masoki, vous avez la loi mère qui est la Constitution. Ce que prévoit, c'est que dossier à Sénat. Moi, j'ai un point de vue contraire par rapport au Sénat. Je suis de ceux qui soutiennent que nous devons supprimer l'institution Sénat dans l'ordre de nos institutions en Mboka. Et c'est tout le Sénat. Ça s'est fait au Sénégal. Bango va utiliser le Sénat pour le Sénégal. Et ça, c'est le Sénat. Cibler la province. Ils sont allés na autre route parce que ça na menkao awa il y a énergie solaire mais baravitaye ba province wana ngai na ko soutenir institut ala ko tout temps que ne makambo lecture si la loi est votée dans des termes différents entre l'Assemblée nationale et le Sénat, c'est la position de l'Assemblée nationale qui reste la qui a la primatie sur Oya Sénat. Mais à quoi sert ce Sénat, cette institution? Mon point de vue, c'est que chef de l'État soit congolais, banse, pas soumettre la mission à référendum, tout faire dissoudre, soit toi, ni l'État supprimant, non, dans l'ordre institutionnel, n'a pas ça. Je rééquilibre quand même quand. Non, cher ami. Cher ami, je vous dis, dans le Sénégal, est-ce que l'État équilibre en égalité? Alors, merci. Pour la construction de ce dossier, alors nous avons besoin de nouveaux animateurs à tous les niveaux. Dans mes membres, je vous dis, maintenant la petite lecture sociologique. Tout celui qui a fait avec Kabila 18 ans. Parmi ma vie, parmi ma vie, sociologiquement parlant, Congolais, il comment on a bangoté. Et puis, il y a un bâti pour la prétention, il faut arrêter dans les chefs. Il faut retenir ceci. Tambouemam, on a retenu l'incompétence notoire. Il a fait l'université là-bas, dans l'université. Si c'est à vous, si c'est au Rwanda, si c'est où c'est. Je ne sais pas que là, il y avait des professeurs qualifiés compétents en droit constitutionnel. Joseph Koukou et Kajoul, ce qu'on a objectif, mon taouti, à compétence intellectuelle, il y a Tambouemam, on a beaucoup à Zaté. Là, il faut être objectif. Azamayele, Haïbi Moussal Naebi.
l'obama comme politique pour le contexte tout ça mais quoi y a quoi tiens en tout cas quand tu vas raconter ma côté hein mais yo député c'est ton point de vue mais point de vue abissoba et lui France que j'étais ça au pied de professeur comme Kabange Balokombe donc mon été maïto tanga na ba imina professeur lui France au delà du Sénat parmi ma grief parmi ma grief balobi détournement y a bambongo bah cité bah notamment qu'on a 2 millions de francs dollars américains 1 million ceux qui y a bah héros et Bimaki pour les apports de sénateur, Sénat, ceux qui questionnent, il y a qui n'ont pas qu'il y a un trésor dans un coffre fort, il y a Sénat, beaucoup l'ont eu des ordres d'exemple, l'assemblée, et qui est questeur, à Bengaki Bongo, président à bureau, Alexis Tamoumamba, n'a dit qu'il y a bâti à Mongouana, n'a pas qu'il y a gardé, les lendemains, ils ont mis ça qui est dans un service, donc dans un coffre, il y a l'assemblée, il y a Sénat. Est-ce que c'est justifié d'après mes explications? Je ne crois pas que. Je vais me répondre après l'interview, précision. Je ne crois pas que Ndagwatambo Mambeza la plus sécurisant que banque. Ce n'est pas une raison. Ce qui détournement, il faut qu'on l'arrête. Il ne faut pas les protéger. De la même manière que le détournement, ils ont un niveau à présidence. J'aurais voulu que même courage, même vigueur, aux autres dénoncés, je suis d'accord, mais au niveau de la présidence, il y a des dossiers très sales à Marambambongo. Mais personne n'en parle. Personne n'a le courage de le dire. Mais il faut exhiber des preuves. Bon, attends, lui, il faut exhiber. C'est-à-dire que vous êtes tellement ancré dans la politique que vous avez un peu de temps. Est-ce que vous rendez une esclave? Mais ce qui est là, c'est que vous avez une procédure. Vous avez un peu de temps pour la procédure. Tous deux sont des praticiens. Vous avez un élément, un récolteur, un élément d'intention et de fait. Tobani doit récolter parmi par éléments et intentions. Oh, on a une à récolter. Ils allaient qui manière et à relever la sami badi banga. Ils allent après, ils allent avant. Mais ça fait partie des éléments d'intention. Au courant condamné, à moitié pas ça fait partie des faits. Oh, le tout. Donc, analyser intention ni. Bas sénateur, bas allaient qui n'ango pendant que relever la sami badi banga. C'était un questionnement. Alors deuxième chose, Nalingi na yoki ming maître Kajumula a cité ba prof Bela, cité prof Mbatate. Ce n'est pas un meilleur constitutionnaliste à Congo. Mais aussi cité ba constitutionnalisme sous yozo cité était pas ni. Donc vous comprendrez, vous allez Malembe. Joseph Malembe. Kende continue. J'ai pas cité pour ce Kabange. Malembe. Tu vas faire la recherche sur l'Abisso. Yezi Joseph. Non, il veut que j'ai cité le professeur. Émission, je vais vous parler de la et que ça va la monter. Et aïe bien. Et donc, tu vas vous parler de la vie, tu vas vous parler et tout ça. Bon, voilà, allez-y. Donc, Ezali, un regret pour Nambo Kanabiso. Maître Kajumula Lobby a posé le mot Wabi, que ce soit la constitution, que ce soit le règlement intérieur, les a violés. Mais maître, il faut voir que, en dehors des textes, en dehors de lois, il existe l'éthique. Et dans le triangle épistémologique de la science et de la vie, la nation, il y a le droit, la sociologie et la politique. Et dans ce chaque domaine, il y a l'éthique. Éthique, il y a l'éthique. Vous voyez, il y a une assemblée d'émission. Et puis, ça m'a loin. Quelle est la loi qui t'interdit de venir en babouche à l'émission? Mais pourquoi tu ne le fais pas? Même dans l'esprit de chaque texte, il y a un aspect éthique qu'il faut prendre en compte. Il y a des abus qui se font au niveau des institutions qui ne relèvent pas seulement de violations des textes, mais qui relèvent de manque d'éthique. Par exemple, le Monique Abound prend une incompétence, besoin de signer. Le règlement de l'ERP n'est pas à en parler, mais sur le plan d'éthique, ça joue mal. Ça fait très mal. Et ayez le courage de dénoncer, c'est pour votre pays. Vous êtes les dignes fils, je ne peux pas accepter que vous puissiez être complice de la déstabilisation de votre propre pays. Je suis très bien malade dedans de moi. Otuni Makambuya, considération interroyée. Ça, c'est Montesquieu qui l'a dit, je crois que tu le sais, que crise politique nyonso, crise institutionnelle nyonso, c'est une résultante de la crise politique. Et vous voyez que vous allez vous aboyer, vous allez vous aboyer dans l'institution, vous allez sur la madame, mais dès qu'il y a conflit, ce conflit-là, c'est comme c'est au niveau institutionnel, ça touche directement à l'image, à la crédibilité internationale d'un État. Voilà pourquoi vous voyez qu'en États-Unis, il y a un conflit au niveau de correspondance. Ce n'est pas par les médias sociaux, ce n'est pas à travers le média interposé, c'est à travers des correspondances. Plus grave encore, mais quelle est l'administration? Il y a un fonctionnaire au bazar, 28 mois d'impayement. Non, mais c'est-à-dire que ces éléments nous poussent à dire que les abus, Nasilisi Wana, je m'excuse, Nasilisi Wana, Nasilisi Wana, il y a une vraie motivation.
y a des députés, la vraie motivation, il y a des sénateurs, il y a besoin de voler là-bas bureau. Si les faits sont réellement vrais, je suis bien d'accord. Mais si les faits ne sont pas vrais, c'est seulement pour donner du poids au président de la République. Parce que, maintenant, awa, ceux qui sont présents à Kaboul, l'Assemblée nationale, au JPD, Tshisekedi, Barotia, au Sénat, mais on n'aura plus un parlement en RDC. On aura deux chambres de Tshisekedistes. Ok? Merci. Parce que cette fois-là, par intime conviction, mais parce qu'il y a un mot d'ordre venu, il faut voter tel. Bon, voter tel. Sinon, je suis malheureux maintenant. Chambre pour créer stabilité. Excusez-moi. À tout ni makambu ya bolongo la Sénat. Mais ça, c'est grave, maître, pour vous. Nous sommes en démocratie classique. La démocratie classique repose sur le principe de bicéphalisme et le principe de bicaméralisme. Excusez-moi. Le bicaméralisme, c'est quoi? Le bicaméralisme, c'est l'existence de deux chambres. Au niveau législatif. Je m'excuse. On doit répondre à ce que je suis. De ce que le Sénat, le lot de la démocratie classique, il faut que tu aies la démocratie. Mais ça ne peut pas être le même. Mais c'est le régime juridique, moi. Merci. Bon Dieu. Fabrice Pellin, des réactions. Nous avons le même système de famille romano-germanique. Tu vas me dire quoi? Allez-y. Je suis malheureux, moi. Merci beaucoup, Ndeko Jameda. Na sepela no poza ka journaliste Mayele oyebi vraiment ko situer débat et ko orienter ba invité na yo. Je pense que na zo sepela mingi ndengo yo guida ka débat journaliste invité akoyi ko koti so buzo bana mutute. En tout cas sur ce point là vous êtes prudent, mais moni na bisa guyo toza ba juriste ils seront très mal à l'aise sur le plan du droit. Je pense que ba téléspectateur ba zo landa biso puisque toza na nous sommes une jeune démocratie qui fait ses preuves. Tous ans, on a une carence juridique et belé dans le texte de Nabissou. Tous ans, encore moins, tous ans, souffrir dans le manque de jurisprudence. Ce qui fait que dans la situation des droits, Moussoussou, même les juristes les plus éminents, sont en confusion. Il y a un lobby et nous allons mieux embrasser le plan politique, l'objectivité de cette action qui est menée aujourd'hui. La ratio légiste nous enseigne que nous allons bloquer ce que nous défendre le bloc Moussoussou, la loi n'a pas prévu. Nazo peso exemple, il y a pétition qui contre bureau d'âge. On est dans la situation de crise politique. Parce que là où le droit c'était, c'est la politique qui parle. Ma préoccupation, c'est d'abord ma commentaire, session extraordinaire. Avant-hier, il y a une session extraordinaire convoquée par le président Bamba à clôturer la session. Alors, le lendemain, c'est le secrétaire général a convoqué plénière, a invité plénière. Bon, on a évité plénière, on a une session à Sika, ça fait suite à la session, on a déjà clôturé par Mwamba. Pour moi, on a évité.